Eh bien, bonjour. Donc, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, je vous emmène dans les environs de Las Vegas. Exactement à la limite ou à la frontière entre le Nevada et la Californie sur l'autoroute 15. Alors dès que l'on passe cette frontière ou cette limite, eh bien on peut voir les premiers hôtels casino, dont le Prim, qui est le premier casino en arrivant au Nevada. Et à 12 miles de là, ce qui fait 18 km, se trouve un petit hameau qui se nomme Jean, où l'on trouve un autre casino qui s'appelle le Terrible. Et également à quelques kilomètres, eh bien, de cet endroit, eh bien, il y a une prison pour femmes, the Nevada Department of Correction Facility, qu'on peut voir d'ailleurs sur la droite. Aujourd'hui, à part ce casino, eh bien, il n'y a plus de population à cet endroit. Dans les années 1900, cet endroit s'appelait Good Spring Junction. En 1905, le chef de la poste locale, George Arthur Fell, a changé le nom de ce hameau en l'appelant Jean, le nom actuel. Et tout ça en l'honneur à son épouse Jean Fell. En 1913, ce fameux George Arthur Fell, qui avait gagné pas mal d'argent, s'est installé à quelques kilomètres de là, dans une ville qui s'appelle Cold Spring, qui était à l'époque une ville minière. Et c'était la grande ville aux alentours, avec quelques milliers d'habitants. Alors que Las Vegas, qui est à une cinquantaine de kilomètres de là, eh bien, était un tout petit village avec quelques centaines d'habitants. George Fell a ouvert un salon qui s'appelle Le Pionnier, et qui existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, plusieurs films ont été tournés dans ce saloon. Et il y a aussi cette triste histoire. Le 16 janvier 1942, le vol TWA-3, en partance de Las Vegas et qui était à destination de Burbank à Los Angeles, s'est écrasé après quelques minutes de vol, pas très loin en fait de Good Spring. Les équipes de secours d'ailleurs sont parties du Pionnier, du saloon, le Pionnier, afin de rechercher l'épave. Et dans cet avion, un Douglas DC-3, se trouvait l'actrice Carole Lombert, en fait qui était l'épouse de l'acteur Clark Gable, connu pour son rôle de Red Butler dans le film God with a Wind en 1939. God with a Wind, en fait, en français, autant en emporte le vent. Et dès l'annonce du crash, celui-ci, Clark Gable, s'est rendu au Pionnier et a attendu près de 3 jours au bar, hein, en buvant pas mal, que l'on retrouve le corps de sa femme, Carole Lombard. Celle-ci a été tuée lors du crash avec les 22 passagers et membres de l'équipage de cet avion. Aujourd'hui, une salle du saloon est dédicacée à cette tragédie avec des photos au mur en hommage au célèbre couple et surtout au crash du vol TWA-3. Donc, je vais vous emmener dans ce village qui, aujourd'hui, ne compte que environ 200 habitants. Je vais vous emmener également dans ce fameux saloon, le Pionnier. Également, eh bien, je vous emmènerai dans le cimetière qui est à l'entrée de la ville et qui est vraiment excentrique. Je vous emmènerai également à quelques kilomètres de là, sur l'autoroute 15, à un endroit que l'on appelle les Seven Magic Mountains. Alors, si vous aimez les pierres mises les unes sur les autres et en fait peintes, eh bien vous allez être au paradis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure. Voilà, petite maison originale, en fait, avec des pendules et bien sûr des... je pense que c'est un collectionneur. Thank you.
Et ici, en fait, des très vieilles tombes, en fait, certainement des fondateurs de la ville de Ghost Spring. Et bien là, c'est les fondateurs, la famille des fondateurs de la ville. Alors, George Arthur, 1881-1918, celui qui a fondé la ville, en fait, de Ghost Spring, et qui est mort en 1918 et de la grippe espagnole. Voilà, on est en plein Covid et lui, il est mort de la grippe espagnole. Et là-bas, Jean, je ne sais pas si on peut voir, mais je ferai un zoom. Jean pour sa femme, en mémorial, parce qu'elle n'était pas morte, mais en tribute, voilà, de sa femme. Bien, on arrive à un autre endroit un peu spécial, on va dire à une demi-heure, 40 minutes de Las Vegas, en plein désert, mais alors là vraiment en plein milieu de nulle part, un artiste qui s'appelle Hugo Randinone, en 2016, a fait quelques sculptures ici. Alors là, ils nous disent de faire attention, parce que c'est pour ça que je regarde un peu par terre. Parce qu'ils disent qu'il y a comme on est quand même en plein désert, il y a des serpents vénéneux, et notamment des rattlesnakes, c'est-à-dire des serpents à sonnette, et aussi des tortues vénéneuses qui sont. Alors voilà, ben je vais vous montrer tout de suite un peu ce qu'il a construit. Et puis là, il y a le travail des apprentis qui s'exercent. Alors, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez encore une fois apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous mettez un pouce bleu. Si vous la regardez sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous passez par le Nevada, la Californie et le Nevada, eh bien, vous pouvez pousser une petite pointe. C'est une sortie, c'est après, quand vous passez de Californie au Nevada. Alors, ce n'est pas la première sortie, c'est la deuxième sortie à Jean. Et là, vous pouvez faire une petite poussée jusqu'à Good Spring, aller au Pionnier, boire un petit café, une bière, un coca, comme vous voulez. Et puis voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.